sera avec le tramway un peu plus tard. Ah oui, mais maintenant c'est ici que ça se passe. Pas les sous comme d'abord. Je le mettrais bien ici pour pouvoir accéder rapidement à la zone industrielle. Voilà, voilà, après on touche ici. Pétrolière. En fait, j'aurais dû le décaler ici le long de l'avenue, supprimer cette route-là et développer mon champ de d'exploitation de pétrole. Normalement, en fait, les ventes par le trade depot, en particulier de pétrole, sont affichées ici dans Recent Transaction. Je ne sais pas trop pour l'instant. Ça a l'air de marcher. Mais je sais pas pour l'instant. Il n'y a pas encore eu de vente. Et oui, je pense que j'aurais besoin de faire du. Est-ce que je suis toujours au bon d'électricité? Histoire que avec les bus stops il faut être un petit peu malin. Il faut les mettre du même côté de la route déjà. Et j'ai bien envie de les mettre juste le long de la ligne. Comme ça. En fait si vous en mettez partout, vous avez l'impression d'en couvrir plein là, avec la zone verte d'action.
Sauf qu'en fait, vos bus en pratique, ils vont pas être du tout efficaces et ils vont commencer à tourner en rond, à faire des cercles. Vous allez voir des convois de bus. J'ai vu ça, c'était assez marrant. Des convois de bus qui tournaient en rond dans le quartier avec 7 ou 8 bus d'un coup. Enfin, c'est vraiment pas la méthode la plus efficace. Je voudrais bien en rajouter, mais je vais attendre d'avoir un peu plus de sous. Je vais le détruire, le bouger, détruire cette route là et reconstruire un champ de pétrole plus important. La simulation des bus est un petit peu bizarre. Hein. Ils commencent à partir dans des rues où ils n'ont pas besoin d'aller pour faire leur circuit. Mais en tout cas, ça doit libérer une partie du. Une partie du trafic quand même. Ce qui est exactement ce que je voulais. Voilà. Ce que ça veut dire. Was Xavetapa? Mais oui, 15 000, il n'y a pas de problème. Je voulais juste améliorer un peu le. Et la planche. Ça fait la cloche. Ah, ils sont dispatchés deux fois plus vite. Capital. C'est tout le monde que j'ai plus de sous. Comment ça me donne le remboursement d'emprunt? 500. Quasiment pas de demande commerciale, c'est assez bizarre. Juste les autres que j'ai mises tout au début. J'ai beaucoup de résidentiels. Ah oui, mais ils demandent du mid-income. C'est pour ça que ça avançait pas forcément. Donc en fait, je vais faire des parcs pour les attirer. On va faire du sport, on va faire du. Ça. Voilà, elle est. Elle est très classe. Hein.
graphique. Comment dire, une des choses que j'ai faites là en lançant pour la première fois, c'est que j'ai juste mis les détails. Enfin, en gros, les trucs étaient à mauvaise résolution, tout au minimum, donc j'ai mis un peu en moyen un peu partout. Mais je pense que je peux faire tourner ça mieux. C'est pas encore le top du top. Mes commerces s'améliorent, mais c'est pas ça que je voulais. Moi, c'était plutôt mes résidentiels. Donc j'ai fait. On va en faire une. C'est grand cette connerie. Terrain de baseball. Oh là là, ils ont l'air d'être contents jusqu'ici. Hein. Pourtant, dans la zone d'action, c'était pas marqué aussi loin. Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que ça, c'est la vraie zone là, quand on voit les petites, les petits smileys qui se mettent. Et que. Ouais, c'est ça, voilà. La demande en medium income commence à arriver. Et voilà, premier. Ma première livraison de pétrole. Ça fait plaisir. J'ai cru qu'il était détruit, mais. Donc les gens commencent à avoir des. Je suis très curieux de voir comment ça se passe. A priori, en fait, il faut mettre. Alors, ça doit être là-dedans. C'est compliqué. Oui, ça va vite devenir un problème. Je vais revenir là-dessus. En fait, voilà, dans les trucs d'attraction de touristes, il y a tous les monuments. Et il y a entre autres. Donc, avec les packs de vie, vous rajoutez des monuments type Tour Eiffel, la porte de. Big Ben. En fait, quand vous les placez, normalement les bâtiments autour, dans le quartier autour, prennent le style du pays, donc entre autres style parisien pour la France. Et j'aimerais bien voir ce que ça change, et je me demande si ça change des choses directement, même à niveau basse densité, bas revenu par exemple, ou si c'est seulement avec le bâtiment. Bah bon, ça me ferait claquer dans un pour ça, mais je ne sais pas. Je verrai. Ah oui, et donc nos poubelles. Un problème auquel je n'avais pas trop attaché d'importance. Enfin, j'ai pas envie de le mettre trop loin des. Ah, quoique je pourrais aller mettre une route ici pour connecter dans ce sens-là pour pouvoir avoir une connexion. Et donc Park and Ride aussi, ça peut.
demande commerciale, demande résidentielle, middle income, toujours aussi haute. Il en reste quasi nul. Je vais refaire des parcs. Ça a été amélioré. Accélérons. Hop. On doit attaquer là. Ah oui, station de police. Je suis quand même beaucoup à court d'argent, je sais.
c'est que simplement le jeu a été modifié, il est un petit peu plus difficile depuis la bêta. Voilà. 15 000 résidents. Ah, on est redescendu à 10 000, on était un peu plus, on était à 12 000, mais en fait c'est quand j'ai... c'est quand j'ai construit ces parcs ici pour passer en richesse moyenne. Hein, ça fait baisser le nombre de personnes habitant dans ces trucs-là. Donc, puis comme j'ai mis les parcs aussi, ça réduit un peu la surface habitable. Mais ça coûte cher, je pense, déjà. Et puis en plus, il faut le... Ok. Il faut... Ah non. Streetcar dépôt. Identity streetcar, streetcar tracks. Ah, on peut mettre juste des tracks pour les streetcars. Waouh. Mais sauf qu'on n'a pas la place, donc autant les inclure dans les... autant les inclure dans les avenues, parce que sinon, ça bouffe un peu toute la place dans la ville. Mais à mon avis, il y a moyen de faire des trucs mignons avec ça. Train. De toute façon, j'ai pas de train ici. Donc, faire juste... Non, c'est bon, je sais comment quitter la visiter. Je vais pas faire de rail pour des trains qui ne pourront pas venir dans notre ville. Alors j'ai un peu de demande commerciale. Tiens donc. Est-ce que... Ce serait pas mal ça. Education. Est-ce qu'on voudrait une transportation? Est-ce qu'on veut éduquer les gens aussi? Non, mais j'aime pas qu'on fait d'école. Je sais pas, je vais utiliser des trucs pratiques.
Ah, j'avais pas vu que j'avais pas vu les villes en flammes. Des sous. La fois que je t'ai... Oh là là, tout mon quartier a été détruit. Ce qui est bien, c'est qu'en faisant ça, j'ai donné un deuxième point d'accès pour la partie industrielle qui est en flamme actuellement. Et ça va peut-être réduire un peu mes embouteillages de ce côté-là. Alors actuellement, je me sens pas trop bien. Bâtiments abandonnés, où est-ce qu'ils sont là-bas? Ce serait bien la photo alien. Ah bah non. Ah bah c'est moi aussi. Alors maintenant j'ai plus de demande résidentielle, j'ai que de la demande commerciale. Ah et puis la demande commerciale de base. Ouais là ça servira à rien. C'est un peu la falaise. J'ai encore de la place ici. Oui, ben, on va faire ça. On va faire une zone commerciale. Genre. Bon, allez. Alors, c'est peut-être un des problèmes là. C'est qu'on ne peut pas maîtriser du tout la terraformation. Donc.